Jean, Bassem, Vénitieux, 69200. En espérant que tout le monde va bien, que vos familles se portent bien. Bon. Moi, je suis fier d'être un maghrébin. Fier plus que tout au monde. Fier des valeurs que nos parents nous transmettent. Et après, c'est à nous de transmettre ça à nos enfants, Inch'Allah. Je vous souhaite des enfants à tous. Mais autant des fois, j'ai honte d'être maghrébin. J'ai honte d'être un arabe. Parce que quand je vois des scènes de ma communauté, wallah, j'ai envie de venir avec un lance-flamme. Mélangé à du gaz moutarde. Quand je vois les cortèges des mariages robeux, c'est trop. C'est trop, bande de sales arabes, sales animaux. Vous êtes des hayawen. Hein, vous mesurez pas les conséquences. Vous mesurez pas la hachma. C'est quoi ça? Enfin, ça, faut absolument qu'on en parle. C'est quoi ces nouveaux cortèges qui puent la valise marocaine? C'est quoi vos... Pourquoi vous bloquez l'autoroute pour des mariages qui vont durer 6 mois? Vos mariages financés par les GoFast? Faut arrêter avec ça! La honte! Un jour, je vais devant la mairie, je passe, il y avait un mariage, il y avait des gens qui rentraient dans la salle de mariage, la tête de ma mère, plus t'allais dans l'ordre décroissant, dans la foule, et plus ça craignait. Au début, les femmes, elles étaient habillées normales, bien, avec l'orchestre qui rentrait dans la mairie. À la fin, j'ai vu des survêtements du Real de Madrid. L'autre, il avait sa jambe, qui son survêt trop levé, sur sa jambe droite, casquette à l'envers. Il rentre à la mairie, normal. C'est quoi ce comportement? C'est quoi le comportement de ces beurettes de merde? Vous êtes là à regarder votre copine de merde qui se marie avec tous ses foras sur le visage, en tailleur, mini-jupe, devant vos parents. Vous avez pas honte? Vous avez aucune éducation, aucune limite? En plus, ces putes-là, elles sortent, après elles font le cortège. Parce que maintenant, c'est plus les hommes qui font le cortège, c'est les femmes. Les femmes qui font le cortège, elles sortent des drapeaux sur du Joule. Donc la beurette de base, elle est tout le temps en Clio DCI, Clio 2. Mais après la beurette qui a loué, elle et ses copines, les bagras, elles sont dans une classe A, avec de la buée sur les fenêtres, tellement c'est des khamjines, ces sales grosses qui servent à rien du tout. Pourquoi il n'y a pas un camion qui leur grille la priorité? Vous vous dites pas, il y a ma mère devant, il y a mes oncles, il y a ma famille? Non! Sortez, qu'est-ce que Joule ou la crime vient faire dans un cortège de mariage? Pourquoi vous klaxonnez, bande de putes? Faites-vous petite! C'est bon, on a le droit d'être content, d'être farhan, mais vous attirez plus le rin qu'autre chose. Il y en a marre de vous. Et on en a marre de ces mecs-là, là. Ils arrivent, ils ont jamais conduit de gamos. Ils sont là, ils louent une voiture à 5, et on dirait ils ont jamais conduit de grosse voiture. Hein, bonhomme, on sait que le lundi, tu vas reprendre ta 205, et ben XAD, qui fume bleu. Donc c'est bon, il faut arrêter avec ça. Il y en a marre de vous. Regardez ce qui se passe. D'un cortège, on passe à un enterrement. Parce que vous savez pas vous comporter. Vous vous dites pas, il y a ma mère, il y a mes sœurs, elles ont peut-être peur avec tout ça. Rebeu, Renoir, c'est la même. Les Renois, c'est exactement pareil. Mélanger à des robeux, c'est encore pire. Donc voilà, respectez vos familles. Respectez le mariage. Même si je pense qu'avec ces mariages-là, les personnes qui se marient, c'est 6 mois. C'est DD. Maximum. Un minimum d'ertiram, les frères et les sœurs. On a le droit d'être content, mais on bloque pas les routes. On ne grille pas des priorités. On fait pas des freins à main devant la mairie. Pensez à l'image que vous donnez aux gens. C'est tout le temps les mêmes. C'est toujours les mêmes. Vous attendez quoi? Vous attendez qu'il y ait un mort? Et c'est déjà arrivé. Vous attendez quoi? Vous faites des levées en crosse. Qu'est-ce qu'un motocross vient faire dans un cortège de mariage? Essayez de faire les choses bien. Non, vous non. Vous êtes là, hachma, si, ça, ça. Après, comment voulez-vous que les gens nous respectent? Tu rentres à la salle de la mairie, starfallah l'avim. On dirait un étal de marché, des cagettes remplies d'oranges. Tu vas à la salle, c'est encore pire. Entre les frères qui ouvrent les coffres à l'extérieur, ils ont 2 grammes dans le sang, ils rentrent dans la salle, ils disent bonjour à leurs parents, à leur tante. Pareil, quand tu vois la beurette twerker sur du Sheba Zahwania, parce que son naturel de pute revient au galop. Tout ça, instrumentalité, par des disques de jockey, des sonates du bled qui sont encore tout mouillés par la traversée à la nage clandestine de la mer Méditerranée. Réfléchissez un peu, bordel de merde. Tout ça pour des mariages de merde, là. Bref, en tout cas, je vous souhaite à tous de vous marier, que vous ayez des enfants. Maghreb United, moi j'aime trop ma communauté, c'est pour ça que des fois je pars en couille, même si je suis très très loin d'être un exemple. Vivons cachés, vivons heureux, arrête de faire du bruit, ça sert strictement à rien. Salam alaikum les gens.